Grâce à des gestes simples, ma ville va devenir exemplaire. Elle appartiendra à une nouvelle génération de villes intelligentes. Chaque hiver, les vagues de froid entraînent de fortes consommations d'électricité, enregistrées le soir, entre 18h et 20h. Pour éviter les interruptions, des moyens de production supplémentaires, généralement carbonés et donc polluants, sont activés pour couvrir cette période. Contribuer collectivement à la maîtrise des pics de consommation d'électricité, et donc réduire l'empreinte carbone, évitera le recours à ces moyens de pointe. Avec CityOpt, les citoyens locaux sont impliqués dans la recherche de solutions. CityOpt invite les citoyens à maîtriser leur consommation d'énergie et s'inscrit dans une stratégie plus globale de l'Europe sur le développement des Smart Cities, les villes intelligentes de demain. CityOpt débute en 2014, puis se développe en lien avec des personnes originaires de Nice. En 2015, 140 foyers ont testé l'application. Des représentants du fournisseur d'électricité ainsi que des résidents ont exprimé leurs attentes auprès de l'équipe du projet qui, par la suite, a développé une application. Donc, comment ça fonctionne ? Lors des 25 jours les plus froids de l'hiver, l'application avertit les participants la veille de chaque pic de consommation. Les participants sont invités à rejoindre la mission CityOpt et à élaborer une stratégie de réduction des consommations d'électricité. Les économies réalisées sont créditées sous la forme de points. Les participants choisissent de soutenir le projet de leur choix en faisant don de leurs points. Le projet lauréat verra ses points transformés en financement pour sa réalisation. CityOpt, l'économie d'énergie solidaire.